Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pendant votre pause déjeuner, c'est sympa. On va parler d'un sujet assez léger, il n'y a pas avoir énormément de technique, au contraire. C'est juste vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. On va parler code legacy, refactoring de code legacy et une technique de refactoring qui est le Golden Master Testing. Alors moi je m'appelle Sébastien Pounier, je suis développeur chez Serly. Plus récemment, je fais un petit coup de main à l'équipe du Job de Nantes, je suis nantais. Et puis pour ceux qui étaient là l'après-midi, je suis à l'origine d'un site qui s'appelle devconferences.org, qui est un annuaire des conférences et des communautés de développeurs en France. Et on a fait un peu de hacking là-dessus mercredi après-midi avec une douzaine de personnes. Alors, la petite histoire dont je vais vous parler. J'étais sur une mission il y a quelques mois. J'ai un éditeur de logiciels qui édite un gros logiciel de gestion qui va écrire de la data dans une base de données relationnelle. C'est un logiciel autonome. Il y avait des besoins pour alimenter une plateforme SaaS. On avait besoin d'extraire à un moment donné un certain nombre de données de cette base-là et de sortir des fichiers au format JSON. Donc, un batch type ETL, mais un truc codé à la main en Java. Et puis moi je suis intervenu en fait pour coder la V2. Voilà. Donc, le logiciel de gestion avait évolué, donc il fallait mettre à jour le batch, rajouter des fonctionnalités. Juste, petit indicateur, l'âge du code c'était 3 mois, donc du code plutôt récent. Quelques métriques, 10 000 lignes de code, donc quand même pas du code très compliqué, mais en grosse quantité. Et un test unitaire. Voilà. Alors après, on peut se dire c'est un SAT test qui couvre 95% du code, mais en fait non. Ce test-là, en gros, il testait une méthode utilitaire qui traînait dans un coin. Et il y avait 1,22% de code couvert par le test. Moi, quand je vois ça, j'ai pas trop envie d'y aller comme ça, pleine balle, pour acheter de la fonctionnalité. Je me dis, je vais forcément péter des trucs. Du coup, moi j'appelle ça du code legacy. C'est pas parce qu'il a 3 mois que ça peut pas être legacy. Un code pas testé, quand il y a 10 000 lignes comme ça, bah, moi je considère que c'est du code legacy. Après ça peut se comprendre, hein, c'est pas forcément hyper facilement testable. On a une source de données qui est une base relationnelle, on crée du JSON, c'est encore ça. Mais bon, je pense que le principal problème c'était de pouvoir tester notamment tout ce qui est input. Alors du coup, qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Première solution, bah, même pas peur, on y va à la hache. Tester, il faut avoir confiance en soi. De toute façon, ça fait 10 ans que je fais du Java, donc à un moment donné, c'est bon, j'y vais. Je refactore, je rajoute de la fonctionnalité, et ça va bien se passer. Donc ça se passe pas bien, c'est pas possible. Deuxième solution, bah, avant de commencer à développer, bah, je vais écrire des tests. Et puis comme je le disais, l'input c'est une base de données rationnelle. Donc un truc qu'on peut faire, c'est faire des bases embarquées, HSQL par exemple. Mais bon, on était sur une base PostgreSQL, on utilisait des fonctionnalités de PostgreSQL qui étaient un peu avancées sur des colonnes de type JSON, etc. Donc là, dans HSQL, même pas envisageable. De toute façon, à un moment donné, il fallait quand même... Moi, on ne m'a pas demandé de faire le refactoring, hein, c'est moi qui ai pris cette initiative-là. On m'a demandé de développer de la fonctionnalité. Donc il y avait des délais un peu serrés, donc le but... c'est pas de passer 3 mois à faire du test unitaire avant de commencer à développer. Donc solution 3, Golden Master Testing. Donc là, je remercie David Gageot qui avait fait une présentation il y a 2 ans sur ce qui s'appelait du legacy au cloud en moins d'une heure. Et il avait présenté cette technique-là. Je m'en suis rappelé, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas faire ça? Alors c'est quoi l'idée? C'est de voir le programme, qui est le batch en l'occurrence ici, comme une boîte noire. C'est-à-dire que je vais pas perdre mon temps dans un premier temps, à aller lire le code, comprendre ce que fait le code, etc. En fait, je vais déterminer le comportement du programme en l'exécutant sur le plus large jeu de données possible. En gros, je vais le bombarder avec plein de data, et puis je vais voir ce qui est en sortie. Et ça, ce qui est en sortie, je vais stocker ces résultats-là, et ça va être mon Golden Master. Je vais commencer à refactorer, et à chaque étape de refactoring, je régénère avec le même jeu de données en entrée, et je compare mes résultats au Golden Master. Donc j'ai fait cette technique-là. Mais alors le problème, c'est exécuter sur un large jeu de données. Comment faire? En fait, j'ai eu du bol.
parce qu'il y avait des recettes utilisateurs en cours à ce moment-là sur le logiciel de gestion. Et il y avait plein de gens qui étaient en train de faire des tests fonctionnels et qui, du coup, alimentaient à fond de la donnée dans la base relationnelle. Donc, du coup, à un moment donné, bah, j'ai fait un snapshot de la base de recettes. J'ai regardé ce que ça donnait et il y avait quand même pas mal de quantités de données. Donc, je me suis servi de ça, d'un snapshot d'une base de recettes comme référence. Alors, le test en quatre étapes, c'est hyper simple, vous allez voir. Bah, première étape, j'exécute le batch sur ma référence et je stocke mes fichiers de JSON qui ont été générés. Je mets ça dans un coin et c'est mon Golden Master. C'est à peu près 70 000 fichiers, juste pour la petite métrique. Deuxième étape, bah, en fait, pour regarder la version originale, pour aller voir à quoi ressemblait si jamais je commençais à réfactorer, à faire des conneries, copier-coller. Donc, voilà, j'ai mon batch. C'était un seul programme, en gros. Il n'y avait pas 10 000 lignes. Disons que je pouvais copier-coller le code sans trop de problèmes sur la partie qui avait refactoré. Donc je fais une copie. Et du coup, bah, j'exécute ma copie avec la même source d'entrée. J'ai mon résultat en sortie. Et puis je vérifie, ici, que mon résultat de sortie correspond à mon Golden Master. Alors ça, on le fait déjà avant de commencer à refactorer. Il peut y avoir déjà des trucs un peu bizarres, notamment sur l'algo ici, là, pour comparer. Il y avait des petites choses à ajuster. Mais voilà l'idée. Donc c'est vraiment assez simple. Et puis du coup, je vais commencer à refactorer sur ma copie. Alors pour l'insertion, bon, là, je vais détailler un petit peu cette partie-là. Comment je peux faire pour comparer fichier à fichier, 70 000 fichiers et leur contenu. Bon, en fait, on n'était pas en Java 8. Hein. En Java 1.6. Donc j'ai pris la lib Guava, elle était déjà dans le projet. Donc pour parcourir l'arborescence des fichiers, il y a un truc dans Guava qui s'appelle le tree traverser. Donc ça c'était plutôt pratique. Et puis pour les assertions, il y a une lib super géniale qui s'appelle AsserJ qui propose des assertions fluentes au-dessus de JUnit. Et en fait, en une ligne, on peut comparer le contenu des fichiers un à un, comme ça. Voilà. En gros, je vais vérifier que mon fichier refactoré a exactement le même contenu que le fichier de mon Golden Master. Donc finalement, en fait, mon test unitaire, il ressemble juste à ça, quoi. Alors je vous ai pas mis l'exécution des deux batchs, la version d'origine et la version refactorée, mais voilà, en gros, on utilise le tree traverser, et pour chaque fichier, bah, on vérifie déjà qu'il existe, et puis s'il existe, du coup, on vérifie le contenu. Donc ça, bah, ça a bien fonctionné. Alors en plus, la couverture que j'ai obtenue avec le snapshot de ma base de recettes, ça me couvrait 85% du code. Donc déjà, je savais que si j'avais introduit une régression, bah, c'était dans les 15% du code qui restait. Donc, déjà, ça permettait de cibler un peu plus précisément les problèmes qu'il pouvait y avoir. Un autre point super intéressant, c'est la durée d'exécution du test en fait. Ça prenait une trentaine de secondes. Donc, du coup, ce qui était bien, c'est que je pouvais l'exécuter en continu dans mon IntelliJ avec un finitest. Donc, ça, c'est voilà. J'avais directement en live le résultat de mon refactoring, savoir si je cassais quelque chose ou pas. Pour autant, on avait une plateforme d'intégration continue, donc on faisait tourner ce batch-là sur Jenkins. Hein, et en fait, le dump de la base Postgre, bah, on le chargeait. Il y avait une base Postgre qui était dédiée au test d'intégration sur la plateforme où il y avait le Jenkins. Donc mon test, en gros, dans le setup, il faisait un create database, il crée les users qui allaient bien, il charge le dump et il exécutait le test. Et à la fin, il kickait la base. Moi, franchement, ça ne me pose pas de problème de monter une base Postgre temporairement sur un serveur d'intégration continue pour jouer un test. Je pense que c'est plutôt même une bonne idée. Donc voilà, pour conclure, je dis que ça serait assez simple et léger. Finalement, je suis bien content de m'être rappelé de la présentation de David Gageot parce que le Golden Master Test, c'est vraiment une approche super simple et qui a vraiment été très efficace dans mon cas. Voilà. Alors, au-delà de ça, en plus, le test, on a continué à le faire vivre après le refactoring. Alors, les problématiques de maintien, de mise à jour des jeux de données, ça demande un peu de boulot. Mais voilà, au moins, on avait un méga test unitaire qui nous permettait, dont on s'est servi après, pour continuer à vérifier que tout se passait bien. Merci à vous de votre attention. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Il nous reste 3 minutes. La partie
l'article où tu dis 85% de couverture, oui. Est-ce que dans ton refactoring, tu as fait des TU, ça? Non, non, en fait, c'est-à-dire que sur ce truc-là, hein, le premier test, la première exécution du batch ici, hein, qui prenait en entrée mon DOM de refait, qui génère ça, alors, comme là j'avais plein de données, en fait, ça passait dans 85% du code. En fait. C'est-à-dire que l'exécution avec, un petit, enfin, avec le petite couverture qui était de base dans IntelliJ. En fait, quand j'ai lancé le batch, j'ai fait coverage base et puis c'est parti. Je voulais juste voir, c'est-à-dire, ça arrive à la fin du slide, cette métrique-là, mais c'est un truc que j'ai fait au départ pour voir si le jeu de données était assez conséquent pour constituer un vrai Golden Master. Quoi. Si j'avais eu que 10% du code couvert, c'était un truc. Est-ce que tu as rendu la comparaison plus intelligente pour éviter les problèmes de comparaison de timestamp ou des choses comme ça? Alors, non. Alors, en fait, dans les fichiers de JSON qui étaient générés, il n'y avait pas ce genre de soucis. Puisqu'en fait, les seuls timestamps qu'il y avait, c'était ceux qu'il y avait dans la base de données. Donc, du coup, j'avais pas ces problèmes-là. Alors, sinon, comme c'est du JSON, il aurait fallu que je désérialise à chaque fois pour comparer, du coup, les objets et pas juste le contenu brut du fichier textuel. Ce qui, du coup, aurait pris, je pense, un peu plus de 30 secondes sur 70 000 trucs. C'est pour ça que c'est rapide aussi. Hein. C'est que vraiment, c'est la comparaison de texte. Quoi. Et sur les 15% qui n'étaient pas couverts, du coup, tu as regardé un petit peu, c'est quoi? C'est le code mort ou... Non, c'était vraiment du code qui servait. C'était des cas fonctionnels un peu à la marge qui avaient été testés en recette. Mais après, du coup, on les a rejoués, nous, unitairement, pour couvrir ce code-là. En effet, il y avait des problèmes, mais voilà, pour moi, c'était ciblé sur les quelques fonctionnalités qui n'étaient pas couvertes par le test de Golden Master. Une fois que tout ça, le refactoring est fait, est-ce que tu as eu des ajouts de fonctionnalités? Et que sont devenus les tests? Comment tu gères ce truc-là avec les nouvelles fonctionnalités? En fait, ma mission s'est terminée, donc je ne sais pas. À mon avis, ça ne tombe plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que le soft a évolué et personne n'a pris le temps de mettre à jour le jeu de données ou d'écrire des tests unitaires dessus. Et dans tous les cas, même s'ils étaient plus unitaires, de toute façon, je pense qu'on est obligé quand même de monter une vraie base Postgre, etc. Parce que de toute façon, les requêtes, elles ne marchent que sous PostgreSQL. Mais ouais, il faudrait que je me renseigne savoir s'ils ont fait des trucs un peu plus évolués là-dessus, mais je suis pas sûr, à mon avis, ça reste assez artisanal. En mauvais sens, en tout cas. Ouais. Si tu gères des bugs pendant le refactoring, du coup, tu es obligé de les laisser pour avoir le 100%. Ouais, il faut être iso-fonctionnel, iso-bug. Alors après, il y a des trucs un peu bêtes qu'on corrigeait quand même. Corriger quand même, mais du coup, il fallait rejouer le Golden Master. Mais bon. Il fallait corriger sur la version d'origine, du coup. Mais ça, on s'était rendu compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas au début, en fait. Notamment sur cette première étape-là, là. Sur le premier compère, il y a des trucs un peu bizarres. C'était lié à des bugs qu'on a corrigés là, en se disant, normalement, c'est sûr que c'est bon, on corrige. Et après, on a lancé la phase de refactoring plus bloquée. Mais sinon, non, il faut faire les choses dans l'ordre, parce que sinon, si tu commences à corriger ça, c'est bazar. Ok, dernière minute. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Et puis, bonne fin de conférence cet après-midi. Merci.